voix de la Corée. Ici, la voix de la Corée. Capitale de la République populaire démocratique de Corée, comment ? Thank you.
bonjour et bienvenue sur la Voix de la Corée. Et voici à présent, chers auditeurs, notre bulletin d'information. Le rassemblement commémoratif des 50 ans de la fabrique de denrées alimentaires Ravonne a eu lieu le 7 en présence du secrétaire du comité central du parti, Jeon Hyun-chol, et du personnel de l'usine. Jeon Hyun-chol a tout d'abord transmis un message de félicitations du comité central du parti du travail de Corée à l'adresse du personnel de l'usine. Le message indique que l'histoire de la fabrique de denrées alimentaires Ravonne, qui a enregistré la gloire dès le premier jour après sa fondation sur l'initiative du président Kim Il-sung, est honorée du choix de direction alimentaire du parti et de la sélection des ouvriers et des cadres de l'usine qui ont travaillé loyalement à travers le siècle et de génération en génération. Le message a dit que l'usine a appliqué parfaitement les recommandations du général Kim Jong-il et a apprécié haut le personnel qui a répondu à la confiance et à l'attente du parti, non pas par le serment, mais par la pratique invariable et le succès excellent. Ensuite, il y a eu un rapport suivi des interventions. Au rassemblement a été adoptée une résolution. Les succès sont enregistrés dans divers secteurs de l'économie nationale. Le complexe d'engrais de Hungnam et le complexe chimique de la jeunesse de Namhung font fonctionner à plein rendement les installations et prennent des mesures technoscientifiques pour la relance de production et aussi donnent de l'éperon à l'accomplissement des plans de production des engrais de cette année. L'usine textile de Sinju déploie énergiquement le mouvement d'innovation collective pour accomplir sans faute les plans journaliers, décadaires et mensuels et accroître la production de tissus. La ferme de culture maraîchère en serre de la ville de Samdion s'applique à la culture scientifique à partir des données d'analyse de sol de toutes les serres pour multiplier par 1,2 la production de légumes par rapport à la même période de l'année passée. L'exposition des appareils de propagande et d'animation et le service de départ des camionnettes sonorisées de tous les établissements de construction se sont tenus au chantier de construction de tous les logements de la deuxième étape du projet. La direction de la construction de 50 000 logements de la ville de Pyongyang les a organisés dans le but d'animer l'atmosphère des chantiers de construction. À l'exposition, il y a eu aussi les activités de propagande et d'animation des membres de troupes d'animation artistique mobile des entreprises de bâtiments. L'exposition a atteint son apogée par le service de départ et camionnettes sonorisées. Les établissements de recherche scientifique ont remporté des succès. L'Institut d'inspection technique s'efforce de trouver et introduire des projets de temps avancé nécessaires au développement de la technique technologique. L'Institut de plan des usines mécaniques près du ministère de l'Industrie mécanique organise souvent les échanges technologiques et l'examen technique entre les groupes de recherche pour qu'ils inventent des plans utiles et de valeur pour la modernisation des bases et des procédés de production des usines intéressées. L'Institut de plan de construction de la capitale, près du comité du bâtiment de Pyongyang, s'applique pour de bon aux études destinées à régler des questions technoscientifiques posées dans les chantiers de construction. Les citadins de Pyongyang poussent activement la plantation d'arbres et de fleurs et l'aménagement de divers quartiers, surtout les environs qui sont du peuple. Les hommes du ministère de l'administration et du maître, du ministère de la protection du territoire national et de l'environnement et de la direction des territoires, ont préparé de bonnes espèces d'arbres pour le jardinage, alors que l'Institut de fleurs du futur bâtiment assure diverses espèces de fleurs pour décorer la capitale à l'occasion de la journée du soleil du 24 du président Kim Il-sung. Les habitants des arrondissements du Sud et de Terre-Bas accordent de l'importance à la qualité de la construction des parcs et d'autres ouvrages. Le gouvernement coréen redonne du monde à intérêt l'exposition et l'exposition. On ne rendra jamais à la tradition de la fidélité et du patriotisme coréenne à l'occasion du 13e anniversaire de la Journée internationale des femmes du 8 mars. Voilà, maintenant terminé notre bulletin d'information présenté par Jimmy Bongju. Merci de l'avoir suivi à leur attention. Thank you.
Thank you.
Madame Simonson, enseignante à l'école primaire numéro 4 de Pyongyang. Pendant environ 20 ans, elle consacre tout avec la conscience à l'enseignement pour les nouvelles générations de la patrie. Dès le début de sa carrière, elle a créé une nouvelle méthode d'enseignement après avoir aménagé de façon originale le lieu d'intervention de la nature pour les élèves. Elle a réfléchi sans cesse sur de nouvelles méthodes d'enseignement qui ont été plus tard hautement appréciées au concours national d'enseignement. Elle a fabriqué également des appareils d'expérimentation et des matériaux didactiques pour élever la créativité et la capacité d'application des élèves. Elle a participé à la 14e conférence nationale des enseignants. Grâce à ses efforts dévoués, elle a eu l'honneur de se faire photographier en souvenir le 1er janvier de l'an 111 du 17 2022 auprès du camarade Kim Jong-un au palais du soleil de Kumsusan. Aujourd'hui encore, Madame Kim se consacre entièrement à l'enseignement pour les jeunes générations pour répondre aux bienfaits de l'État. C'était ce programme sur le titre « L'honneur de l'État et de enfant les fleurs du pays. C'est les fleurs qui remplissent les histoires. Ma chère femme et sœur, si vous êtes absente, le pays aura une place vacante. Les sommes sont les fleurs, elles sont les fleurs du pays. Thank you.
J'ai écouté le concerto pour piano que Proctor m'a pas pris. Thank you.
Soyons vos présents, le lieu votre cheminant des pensants. Soyons les raisons de la patrie. Chers auditeurs, voilà maintenant terminé La Voix de la Corée en langue française, diffusée en République populaire démocratique de Corée. Elle est diffusée en Europe de 10h à 2h en temps de Seoul, de 16h à 17h en temps universel, de 5h à 6h en temps de Seoul, de 20h à 21h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Seoul, de 14h à 15h en temps universel. En Amérique du Nord, de 10h à 2h en temps de Seoul, de 16h à 17h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Seoul, de 14h à 15h en temps universel, sur 9435 kHz ou 11 700.
revoit les heures